Voilà bien un constat d'urgence qui repose sur une spirale de désattractivité qui s'est enclenchée. Et cette spirale de désattractivité, elle est liée à la fois à la régulation économique disproportionnée, celle que nous avons subie une fois de plus en 2014. Elle est liée, vous l'avez entendu, à un accès au marché qui n'est pas des plus performants, loin de là, alors que nous portons l'innovation. Elle est liée à une fiscalité générale qui n'est pas compétitive et qui obère le secteur, notamment industriel. Elle est liée aussi à des indicateurs scientifiques et des indicateurs industriels particulièrement alarmants, notamment en matière d'emploi et de production. Dès lors, il nous faut adresser trois grandes questions au gouvernement et au pouvoir public. La première question, c'est comment la France accueillera-t-elle demain l'innovation thérapeutique et garantira l'accès aux soins et à ces innovations pour tous. La deuxième question, c'est osera-t-on enfin le pari de l'efficience du système de soins? Est-ce qu'on osera les réformes structurelles indispensables à remplir ce défi? La France est-elle déterminée à renouer avec son attractivité? Est-elle véritablement dans une démarche de volonté de renouer à cela? À la fois sur le secteur scientifique, industriel, nous l'avons vu, mais aussi sur l'attractivité commerciale. Bien entendu, nous pourrions nous contenter d'attendre les réponses à ces questions. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait le choix avec une ligne politique claire que j'avais décidée dès le début de l'année 2013, avec l'aide des administrateurs et avec l'aide des permanents du LEM, de proposer nous-mêmes les solutions et le faire dans un dialogue, vous allez le voir, que nous voulons totalement refonder. Alors, faire des propositions, c'est répondre à des enjeux. Je vous ai dit, il y a trois enjeux. Quels sont-ils? Premier enjeu, accueillir l'innovation, garantir l'accès aux soins et l'accès à ces innovations pour tous les patients, et ce, dans un cadre renouvelé, c'est ce que nous disait Corinne Le Goff dans ce petit spot. En effet, l'innovation revient, c'est une évidence. Alors, je dis revient, encore une fois, elle ne nous a jamais quittés. Les résultats des investissements faits par les industriels du médicament, la pugnacité que nous avons dans la recherche, le volontarisme qui est le nôtre pour faire bénéficier aux patients des meilleurs soins et des meilleurs produits, portent aujourd'hui leurs fruits. 182 médicaments sont préenregistrés aujourd'hui en 2015. 462 seront là en 2017, prêts à être enregistrés. Et imaginez que 1423 médicaments nouveaux sont en phase 2. Qui peut dire que cela ne va pas changer le paradigme du traitement d'un certain nombre de maladies? Bien évidemment que ce sera le cas. Et je peux même vous dire que ce sera le cas dans un certain nombre de domaines très précis. Le cancer, l'arrivée des anticorps monoclonaux. N'oubliez pas la façon dont on est capable aujourd'hui de diagnostiquer génétiquement à un stade infraclinique les cancers du poumon. Et nous avons des solutions thérapeutiques avec les anticorps monoclonaux pour le cancer du poumon, notamment cancer à petites cellules. La question des lymphomes, qui aujourd'hui a considérablement évolué grâce à ces anticorps et à ces traitements nouveaux. Cancer du pancréas, pour lequel on commence à atteindre des solutions thérapeutiques dans une maladie qui aujourd'hui est quasiment incurable. J'oublie pas les traitements sur le métabolisme, les traitements qui touchent aussi à la prévention, les vaccins, n'oublions pas les vaccins, les efforts qui sont faits en France pour trouver de nouvelles thérapies vaccinales, les maladies auto-immunes et enfin, et surtout, parce que la France excelle là-dedans, les maladies orphelines. Retour de l'innovation, ça pose deux questions fondamentales. La première, c'est comment va-t-on évaluer cela? Est-ce que notre système aujourd'hui sait évaluer ces innovations assises sur un nouveau paradigme qui est celui des industries du vivant et surtout des thérapies qui deviennent compagnons d'autres techniques et qui ne sont plus isolées, le médicament n'est plus seul. Savons-nous évaluer cela? Est-ce que les règles qui sont figées aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé sont les règles qui permettront d'avoir une évaluation juste du bénéfice thérapeutique? Nous ne le croyons pas. Ces règles ont changé parce que simplement la façon d'encadrer le bénéfice thérapeutique dans un protocole thérapeutique et un environnement thérapeutique ont considérablement modifié le paradigme. Dans le même temps, ça se voit, les choses se sont compliquées et les délais en attestent. Vous connaissez le délai, si je puis dire,
normé, c'est 180 jours. La réalité, c'est que lorsque nous avons des produits, y compris innovants, y compris des produits amenés par des fast-track américains, 360 jours se retrouvent être la médiane. C'est l'analyse que nous avons faite entre 2009 et 2014. Qui peut se contenter de ça dans un pays qui veut l'excellence? Bien sûr que nous devons aussi travailler sur la simplification administrative et sur la vélocité de nos procédures. Et ce que nous proposons, ce sont des choses simples pour faciliter l'évaluation. La première, c'est revenir aux fondamentaux. Le service médical rendu, c'est-à-dire la prise en charge, doit être fondé d'abord sur la gravité de la pathologie. C'est du bon sens, et non pas sur une AMM revisitée. L'intérêt global pour le patient doit guider l'ASMR. Ça ne doit pas être que le rapport bénéfice-risque, mais ça doit être quelque chose de plus vaste. Le processus doit être transparent et de qualité. Je veux croire qu'il l'est. Mais surtout, il doit offrir aux industriels une procédure contradictoire avec des règles précises. Il faut prendre en considération les fast-tracks. Il y a des patients en impasse thérapeutique. Lorsque nous trouvons une solution pour une impasse thérapeutique, on ne peut pas faire l'objet d'une procédure qui prend 360 jours. Ça n'est pas imaginable. Il faut considérer ces aspects-là. Et enfin, il faut penser, et je le redis, aux médicaments orphelins qui doivent bénéficier d'un traitement spécifique, au moins dans l'évaluation. La deuxième grande question, c'est comment on évalue l'efficience de ces innovations. Comment on va intégrer le bénéfice de ces innovations d'un point de vue structurel et économique. Évidemment que ça ne peut pas se faire simplement sur une comparaison de prix. Évidemment que ça ne peut pas se faire juste avec des additions et des soustractions. Ça suppose de restituer les gains d'efficience dans le système. Et pour ça, de prendre en considération le bénéfice des produits dans une perspective qui n'est pas court-termiste, mais au contraire, une perspective qui soit pérenne dans le temps et qui intègre les modifications du système de soins et les modifications structurelles que cette même innovation va engendrer, fatalement. C'est le cas, et c'est évident pour l'hépatite C. Lorsque vous traitez, guérissez des malades, à un moment ou à un autre, si vous faites disparaître la maladie quelque part, vous n'avez plus besoin de la structure qui la gérait avant. C'est là encore du bon sens. Il faut avoir une vision long terme des gains d'efficience de l'innovation. C'est la seule façon d'évaluer le bénéfice. Et c'est le sens que l'on doit donner à l'efficience. Et donc ces deux grandes questions, comment on évalue, comment on restitue les gains, je peux vous le dire, seront deux priorités sur lesquelles le LEM entend faire des propositions avec une grande pugnacité. Le deuxième enjeu, c'est le pari de l'efficience du processus même qui conduit à la structuration du système de soins. Le LEM ne peut pas rester isolé sur son médicament et ne se contenter que de parler de cela. On voit bien, le médicament est un outil du système de soins, et nous sommes des acteurs du système de soins. Et lorsque nous sommes une variable d'ajustement du reste, alors je dis, on a le droit de s'intéresser au reste. Il n'y a pas eu de réforme structurelle. Il n'y en a pas eu. Le système a engendré, de ce fait, ses propres contradictions. Laissez-moi vous en citer quelques-unes. On parle d'attractivité, on place en priorité pour ce pays l'attractivité et la croissance. Dans le même temps, on sort un PLFSS avec des mesures sans précédent et un taux L négatif, programmer quelque part une forme de récession. On veut responsabiliser tous les acteurs en disant « mettez-vous tous autour de la table, travaillez sur l'avenir pour la santé de nos enfants ». Et dans le même temps, on donne aux industriels du médicament 50% de la charge de restituer les déficits de l'assurance maladie. Et on se pose la question du bout des lèvres de l'organisation hospitalière, par exemple, ou de la place de la médecine libérale ou des médecins généralistes qui sont en souffrance aujourd'hui pour faciliter le parcours de soins. On dit... Le conventionnel, c'est une merveilleuse invention. Il faut privilégier le conventionnel. Tout le monde le dit, y compris au plus haut niveau de l'État. Et dans le même temps, le pouvoir législatif introduit un taux W, une entente préalable. On dit le juste usage, c'est la solution. Le juste usage, c'est bien utiliser les soins. C'est la sécurité des patients. Nous sommes d'accord avec ça et nous promouvons cela. Et dans le même temps, on tord
la définition même du RTU pour en faire un outil commercial, de compétitivité, de prix. Il y a un problème de cohérence. Et je vous le dis, je vous le redis, c'est ce qui a fait décider à l'unanimité des adhérents et des membres du conseil d'administration du LEM de, non pas quitter, mais d'interrompre le dialogue qui était instauré dans le cadre du CIS et du CSF. On ne peut pas travailler à la fois sur quelque chose qui, je dirais, tord l'avenir de l'industrie du médicament à court terme et en même temps nous demander d'envisager notre avenir à long terme. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas temporellement. Et donc nous avons porté auprès de la ministre un certain nombre de propositions dans le cadre de notre ligne politique et nous avons aussi réfléchi à comment restituer un dialogue long terme qui s'inscrive dans une logique, j'y reviendrai dans un instant, une logique de construction. Les propositions que nous avons proposées sur le structurel, je vais vous en donner deux, trois exemples. Elles sont très illustratives. D'abord, on veut optimiser et rationaliser le parcours de soins avec nos propres outils. Je vais vous donner un exemple évident, le développement des chimiothérapies orales, qui aujourd'hui est une priorité des industries de santé, est un outil merveilleux pour faciliter, développer le parcours du soin et la prise en charge des patients cancéreux en évitant un certain nombre d'hospitalisations. Deuxième exemple, développement de la télémédecine. Les industries du médicament, souvenez-vous-en, ont proposé près de 100 millions d'investissements dans la télémédecine pour faciliter la surveillance à distance des patients traités avec leurs médicaments. On sait, avec les objets connectés aujourd'hui, faciliter la prise en charge. C'est une question de volonté. Nous avons proposé de le faire et de l'inscrire dans la loi cadre qui permettrait de faire des gains d'efficience. Nous n'avons pas été entendus, je peux vous le dire, on ne lâche pas l'affaire et on y reviendra. Le juste usage du médicament, nous sommes promoteurs de cela. Nous avons réussi, pour la première fois, à introduire dans le cadre du PLFSS un élément du juste usage, la lutte contre la iatrogénèse. Nous nous en félicitons. Et c'est un bon exemple de ce que l'on peut faire. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres de gains d'efficience que l'on peut retrouver. Je pense à l'automédication, je pense à la bonne utilisation des référentiels. Tout cela, nous le reporterons à nouveau. Autre sujet aussi, autre exemple, l'antibiorésistance que la ministre elle-même veut remettre sur la table de travail. Eh bien, dont acte, allons-y, travaillons sur ce type de sujet. Donc vous voyez, finalement, nous allons rester sur cette volonté d'introduire dans la régulation ces réformes structurelles que nous considérons indispensables à restituer les gains d'efficience du progrès thérapeutique qui, inévitablement, coûtera plus cher. Le troisième enjeu, c'est l'attractivité. Bien sûr, on pense tout de suite à l'attractivité industrielle, mais pas que, c'est aussi l'attractivité pour la recherche et le développement. Je vais quand même illustrer l'attractivité industrielle que vous connaissez bien. Souvenez-vous du colloque que nous avons monté il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Deux, trois chiffres pour vous rafraîchir la mémoire. 120 millions d'euros de recul sur les trois dernières années dans les investissements. 213 sites qui sont des sites d'excellence, mais qui néanmoins ont des problèmes d'export par rapport aux États-Unis. Un peu plus de 40 000 emplois menacés, Sébastien Guettant nous l'a rappelé, parce que nous devons maintenir cet emploi industriel en France. 130 nouvelles molécules qui ont été enregistrées en Europe. Combien fabriqués en France ? 8. Il y a deux problèmes urgents, pour pas dire suraigus. Celui de préserver l'outil industriel, celui que nous avons, notre richesse, et celui d'attirer l'outil que nous n'avons pas encore sur le territoire, celui des industries du vivant, des biotechnologies. Deux problèmes, deux réponses différentes. Préserver l'outil industriel, c'est d'abord une question de compétitivité. Je vais paraphraser notre président des affaires industrielles, Sébastien Guettant. Il l'explique fort bien. Si l'on serre les prix sur des produits qui sont plutôt vieillissants, voire génériques, et que l'on serre encore par le truchement des convergences jusqu'à atteindre un seuil en dessous duquel on ne sait plus fabriquer aux normes que nous souhaitons garder, que la France et les pays responsables imposent, normes écologiques, normes sociales, normes sociétales, normes de qualité, alors à un moment, ça ne le fait plus. Et les questions de maintenir cet outil industriel sur le territoire et de l'indépendance de la France sur la production industrielle se posent. Nous ne voudrions pas qu'elle se pose trop tard, cette question.
Et donc, il y a une question de préservation et d'incitation à préserver cet outil industriel, notamment pour les médicaments qui sont fabriqués déjà en France et qui sont parfois, je vous l'ai dit, des médicaments dont les prix sont relativement bas. Et puis, il y a attirer la bioproduction. La bioproduction, c'est un autre débat. C'est une question, cette fois-ci, d'attractivité. Alors, qui trouve des remèdes communs. Mais comment peut-on accepter que seulement 3% des anticorps monoclonaux qui sont consommés en France soient produits en France? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du constat d'échec. On ne s'y résout pas. Il faut que la France s'engage dans une lisibilité, une prédictibilité de l'accueil de ces innovations pour faire en sorte que ces investissements soient choisis prioritairement en France. Il y a un lien entre lisibilité, prédictibilité et choix des investissements. Ce lien des tas de rapports le démontre. Et l'autre chose, c'est qu'il faut qu'il y ait, on l'a vu, une incitation fiscale, une incitation à la production locale, une bonne visibilité sur les normes, y compris européennes, françaises, et une homologation qui soit sans faille et qui permette de valoriser l'outil de production. Là encore, cette troisième priorité sera au cœur de nos travaux du LEM pour l'année 2015. Trois priorités qui seront portées avec un dialogue qui sera refondé. On ne peut pas faire cet objectif, on ne peut pas atteindre cet objectif avec des méthodes qui n'ont pas fonctionné. Donc il faut repenser la méthode et le dialogue qui va avec. Il nous faut pour ça une vision holistique, il faut monter en altitude, il nous faut une vision stratégique et qui porte non seulement son nom dans le mot mais dans les faits, et il nous faut une vision pragmatique. Alors, c'est la raison pour laquelle, suite au séminaire exceptionnel que nous avons conduit avec l'ensemble des membres du Conseil d'administration le 19 décembre dernier, le Conseil m'a donné mandat pour écrire au Premier ministre en lui proposant un dialogue refondé sur deux priorités. D'abord, premier principe, ou première priorité, si je puis dire, refondre un CSIS et dire clairement à quoi il va servir. C'est-à-dire, il doit être la clé de voûte de cette définition stratégique pour les enjeux de santé au cœur duquel se trouvent les entreprises de santé et du médicament. Sous l'égide du Premier ministre, garant d'une cohérence et d'une prévisibilité des politiques publiques, garant d'une régulation pluriannuelle que nous avons réclamée il y a déjà un an. Certes, la Constitution ne la permet peut-être pas dans le cadre du PLFSS. Eh bien, dont acte, inscrivons-la dans le marbre de ce nouveau CSIS. Rassemblement des acteurs, mettons de la cohésion, mettons de la force centripète autour de ces enjeux, incluant peut-être, pourquoi pas, les parlementaires, qui seraient, à mon avis, bénéficiaires d'être plus dans le cœur de la réflexion et dans la meilleure connaissance de ce qui préside, parfois, à des postures que je qualifierais idéologiques. Il faut le faire autour de ces trois priorité que j'ai citée, l'attractivité, l'innovation, l'efficience. Ne faisons pas un CSIS avec 44 mesures, un marché dans lequel on vient puiser ceci ou cela. Il faut recentrer notre énergie sur l'essentiel, ce qui emporte l'enjeu du pays et des industries de santé. Il faut revenir, bref, aux origines du CSIS. Souvenez-vous, quand il a été créé, c'était d'abord cela, sous l'égide d'un Premier ministre, définir les priorités qui rassemblent les acteurs et l'État sur un enjeu ou deux ou trois enjeux majeurs. Eh bien, le retour à cette origine, finalement, et au sens qui lui était donné, c'est ce que nous appelons de nos voeux. C'est quelque part refonder le système du dialogue autour du CSIS. Avec cela, le LEM est présent dans un CSIS qui ressemble à cette portée prioritaire commune et collégiale. Le LEM est déterminé et nous serons engagés avec énormément d'énergie dans les travaux qui pourraient être ainsi mis à l'agenda. Deuxième principe, une politique conventionnelle. Politique conventionnelle renouvelée. Philippe Cheng, dans ses vœux, appelle à la refondation de l'accord conventionnel. Il a bien raison. Nous sommes confrontés à une situation où cet accord conventionnel qui a été créé il y a déjà fort longtemps, et à l'époque, il était tout à fait bien structuré pour les enjeux
qui régnait dans cette période. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir s'il est adapté à ces nouveaux enjeux que j'ai cités tout à l'heure. Et surtout, est-ce qu'il n'a pas perdu un peu de, si je puis dire, de sa brillance quand on voit qu'il a perdu, entre autres, un élément essentiel, c'est son principe de primauté. Il a perdu son principe de primauté, si vous vous interrogez à la preuve de ce que je viens de dire, je vais vous donner trois exemples flagrants. Un taux W fixé par l'État, alors que logiquement, vous en conviendrez avec moi, c'est l'essence même d'un accord conventionnel que de régler l'accès à l'innovation. Une entente préalable avec les hypocholestérolémiants, le RTU. Voilà des signes pathognomoniques, comme on dit en médecine, d'une étatisation de la régulation, ce que nous ne voulons pas. L'accord conventionnel doit primer. Cela n'empêche pas l'État d'émettre son avis ou de faire des propositions pour améliorer la régulation, mais l'accord conventionnel doit primer. L'accord conventionnel, il doit primer, et pour cela, il faut, là aussi, le renouveler. Le renouveler en y apportant des modifications très substantielles. Des modifications autour du financement de l'innovation. Il nous faut penser le système qui permet d'accepter l'innovation et d'accéder à un juste prix pour l'innovation. Il nous faut penser, dans cet accord conventionnel refondé, aux actions structurelles qui peuvent être intégrées dans le contrat et bénéficier à la fois à l'État et aux entreprises. Et donc, quelque part, cet accord conventionnel, il doit être, je dirais presque, plus simple, plus pragmatique. Nous voulons, avant le printemps, faire des propositions très claires à Madame la Ministre, au Comité économique des produits de santé, sur les modifications substantielles que nous souhaitons apporter dans cet accord que nous renouvellerons d'ici la fin de l'année, ou si c'est nécessaire, un petit peu plus tard. Le temps est important, il nous faut faire bien, il nous faut faire sûr, et il nous faut faire quelque chose qui ne soit pas à changer tous les 6 mois. Je veux également, dans le cadre du dialogue, citer 2 autres points qui me paraissent importants. D'abord, le dialogue dans le cadre du PLFSS. L'année dernière a été l'occasion d'initier un dialogue interministériel pour préparer le PLFSS. Ça a été, je crois, un progrès. Et je crois que même si le résultat, vous le savez, a été décevant pour les industries du médicament, il ne faut pas perdre de vue que la méthode avait quelque chose qui préside à une forme de renouveau dans l'échange que l'on peut avoir en amont du PLFSS. Nous souhaitons renouveler cette expérience en amplifiant, si je puis dire, le mouvement et en ayant en sorte que, faisant en sorte que le partage des données, le partage des analyses qui ont été faites dans le cadre de ces réunions puissent au moins asseoir les différentes parties sur la même base et sur les mêmes chiffres avant de s'embarquer sur des opinions qui sont certes souvent divergentes, mais en tout cas au moins qu'on parte du même diagnostic. La deuxième chose, c'est que nous pensons que compte tenu de l'ampleur des mesures qui sont portées par le Parlement, et ça nous paraît là encore être une suggestion de bon sens, il serait bon que soient introduites des mesures d'impact a posteriori des dispositions votées par le Parlement. Nous pensons qu'il n'est pas raisonnable de faire un nouveau PLFSS sans avoir mesuré l'impact du précédent. Quelque part, ça pousse inconsciemment à répéter la même recette sans se poser la question de savoir en quoi il pourrait y avoir des modifications et sur quelle base. Donc la mesure de l'impact budgétaire, qui est quelque chose qui est curieusement absent, devrait être inscrit, je dirais, quasiment dans la loi. Dialogue aussi avec les autres industries. Il nous faut garder le contact à travers la FEFIS sur toutes ces industries qui vont nous accompagner dans le progrès thérapeutique. Je pense aussi au MEDEF, avec lequel nous avons aussi, durant l'année 2014, fait un travail considérable pour porter les industries du médicament au cœur même des priorités stratégiques que fixe le président Gattaz. Je pense au dialogue avec les médecins, les pharmaciens, donc les corps intermédiaires qui les représentent, la chaîne du médicament, importante pour garantir la bonne distribution auprès des patients, et puis je pense aux patients, surtout, pour lesquels nous devons nous interroger sur le dialogue que l'on a avec les patients. C'est l'objet de notre comité RSE, c'est l'objet du COPEM, mais pas que, c'est aussi notre communication que nous devons interroger.
la façon dont on explique ce que nous faisons. Et toutes ces interrogations, finalement, sont des interrogations que nous devons adresser à nous-mêmes. C'est pour ça que le troisième élément du triptyque, si je puis dire, de cette conférence, c'est un nouvel enjeu, un nouveau dialogue et donc un nouveau lemme. Laissez-moi vous donner quelques illustrations de ce que nous considérons être un nouveau lemme. Il nous faut donc, je vous l'ai dit, clarifier, recentrer, innover, oser faire les choses différemment, introduire dans nos priorités la confiance dans la déontologie, l'éthique, confiance avec les acteurs, confiance avec la société civile, confiance avec les médias. Et pour cela, il nous faut aussi réfléchir à la façon dont nous voulons travailler au sein du LEM pour atteindre ces objectifs. Un certain nombre de modifications se sont déjà opérées depuis l'année 2013, et je veux en citer quelques-unes. Les premières modifications, vous le savez, ont été celles qui ont été opérées structurellement sur la gouvernance du LEM. Nous avons modifié déjà la constitution du bureau, aujourd'hui recentrée autour des présidents de commission, des responsables de familles géographiques, de la représentante Corinne De Goff du Conseil au CODEM, ainsi que les deux partenaires, si je puis dire, la FIPA et le GEM. Nous avons donc aujourd'hui un organe de gouvernance resserré, avec des personnes en responsabilité, un conseil qui a repris, si je puis dire, toute sa place dans le dialogue que nous devons avoir et dans l'échange et le débat, un conseil qui aujourd'hui est mobilisé, vous l'avez vu, avec des séminaires exceptionnels centrés sur des priorités, des rôles de commission renforcés pour justement être dans un processus plus délégatif, avoir une ligne politique qui soit stable, c'est ce que nous avons voulu dès le début de l'année 2013, et je veux remercier ici tous les administrateurs et les permanents du LEM qui ont travaillé à son élaboration autour des trois grands axes que vous connaissez, l'écosystème favorable à l'innovation, la politique industrielle volontariste pour la mutation du secteur et le caractère stratégique de notre industrie et son image vis-à-vis de la société civile. Voilà un peu les trois grandes priorités autour de cette ligne politique. Je ne reviens pas dessus, mais c'est un élément important de la stabilité de notre action. C'est aussi le service aux adhérents. Et là encore, il faut saluer les efforts considérables qui ont été faits par les permanents du LEM. Ils font vraiment un travail au quotidien qui est souvent sous-estimé, ou pas assez vu, je dirais. Et donc, je veux leur rendre hommage ici à travers trois exemples d'innovation. La création du Hub PME, belle initiative, c'est-à-dire un service aux adhérents adapté aux tailles d'entreprise réduites. Des réunions d'information qui ont été modifiées dans leur structure, qui sont plus fréquentes, destinées à mieux diffuser l'état de l'art aux adhérents. Je veux parler aussi de la transformation prochaine de la Bourse de l'Emploi sur le site lem.org, le renforcement de l'Observatoire des métiers. Bref, je pourrais vous citer ici toute une série d'exemples qui témoignent du renouveau et du dynamisme opéré par les permanents du LEM. Nous devons travailler sur l'efficience de nos méthodes. C'est un sujet de qualité, c'est un sujet d'audit interne, si je puis dire. Être encore plus concentré sur nos priorités, sur nos ressources, avoir une meilleure transversalité, mieux définir nos priorités. Il en va, je dirais presque, de la qualité de ce que l'on va faire. Et pour cela, eh bien, c'est à la fois dans le process, mais c'est aussi dans la structure. Et c'est la raison pour laquelle, avec Philippe Lamoureux, nous avons, et l'accord, bien sûr, du Conseil et du Bureau, nous avons... Je dirais enfin, non seulement initier le projet, mais réaliser le projet de déménager le LEM. Le LEM déménagera à l'été prochain pour des locaux modernes, pour des locaux lumineux, pour des locaux qui permettent sur un plateau la transversalité, l'interactivité entre les permanents, avec les adhérents, avec les membres du Conseil, des locaux qui juste faciliteront l'échange, la productivité et les idées. C'est ce que nous avons souhaité. Et ça sera porte-maillot, donc un endroit central. Et nous sommes actuellement en train de rénover ce plateau pour que nous puissions aménager à la fin de l'été prochain. Enfin, dernier élément de la modernité, la communication. Et je terminerai par ça et ça fera un peu l'objet de ma conclusion. La communication est importante. Elle est importante non pas pour exister, elle est importante pour expliquer, pour faire de la pédagogie auprès de ceux qui nous entendent, qui nous regardent, qui nous jugent. Les médias ont un rôle essentiel dans le relais qu'ils opèrent par rapport au message que nous essayons de passer. Il nous faut aussi clarifier dans cette communication les enjeux, ce que je viens d'expliquer, nous recentrer aussi sur des valeurs importantes qui sont celles de la confiance, de l'éthique. Et ces valeurs, il nous faut les communiquer avec humanisme,
en redonnant le sens de notre métier, celui de guérir, de soigner les patients. C'est d'abord ça qui a fait le choix de 100 000 personnes pour rejoindre l'industrie des médicaments. Personne ne doit en douter. J'entends que parfois, telle ou telle histoire, tel ou tel exemple pose la question de l'amélioration de nos pratiques, de nos process. Mais nous ne faisons, je dirais, c'est dans nos gènes, nous faisons cela tous les jours. Et il faut que tout le monde soit convaincu que nous sommes dans un process d'amélioration et de qualité permanente. Et aujourd'hui, c'est une des industries les mieux régulées, les plus sécurisées, dans lesquelles la mobilisation autour de la qualité, de l'éthique et de la déontologie est une des plus fortes de tous les secteurs industriels. Curieusement, c'est mal perçu, ou ça n'est pas connu, ou c'est mal interprété. Alors il y a des tas de facteurs qui sont responsables de cela. À nous de les corriger, à nous de les prendre en considération et de faire en sorte que cette industrie soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'elle apporte aux patients, ce qu'elle apporte à nous-mêmes, ce qu'elle apporte à nos enfants, la chance d'être guéri demain de maladies aujourd'hui incurables. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Et ça, il faut le dire, il faut le redire et le redire encore. Et s'il y a quelques détracteurs professionnels qui n'ont pas d'autre chose à faire qu'à partir d'un exemple, essayer de jeter le doute, pour ne pas dire l'anathème, sur le sens même de notre métier, alors ils nous trouveront en travers de la route pour restituer la vérité. Je vous remercie.